déjà à ce propos. Ne t'inquiète pas. Que je pensais. Bien. Jetons un œil à l'hypercellule. L'hypercellule est intacte. J'ai aussi trouvé un héritage. On dirait qu'il a été mis là pour qu'on tombe dessus. Je suis de plus en plus curieux. Voyons ça de plus près. Jetons-y un œil. Jour 78 après la seconde plongée. Huitième enregistrement. Héritage de Raven. J'ai découvert d'importantes archives de l'humanité. Une guerre a été initiée par la matriarche, et comme chacun le sait, l'humanité anéantie.
Les humains ont cédé leur place aux androïdos. Les androïdos se sont proclamés nouvelle race humaine. Soutenus par la matriarche, ils ont fait d'immenses progrès et contribué à l'avancement de l'humanité. Et les survivants, les véritables humains, ont fui dans des complexes souterrains. Certains, dirigés par Raphaël Marx, ont attendu à cet endroit une opportunité pour riposter. Pendant ce temps, les survivants ont évolué au point d'obtenir toutes les capacités pour affronter les androïdes. Le fruit de l'ingénierie génétique et d'une évolution rapide. Des êtres qui ont tout perdu. Tout sauf leur instinct de survie et leur force brute. Voilà ce qu'ils sont devenus. Des monstres. Les monstres que nous combattons, tels sont les Naitiba. Les Naitiba, c'était des humains. Donc, tous ceux que nous avons tués, c'était tous des humains ? J'arrive pas à le croire. Mais cette usine de production est très certainement faite pour des Naitiba. Si les Naitiba étaient des humains, si nous combattons les humains, alors nous sommes... des Androeidos ? Est-ce la vérité ? Des créatures entièrement créées, créées par la matriarche. Non, nous sommes humains. Nous avons un corps fait de tissus liés harmonieusement avec des machines. Les Naitiba sont incomplets parce qu'ils sont uniquement composés de tissus vivants. Ils ne peuvent pas s'adapter à leur environnement ou survivre dans l'espace. Mais... et si notre fonction était de pallier ces imperfections ? Alors, pourquoi la matriarche nous cacherait-elle la vérité ? Je dois réfléchir. T'as raison. Nous avons besoin d'aide pour comprendre la situation. Je pense vraiment que nous devrions en parler à Orcal. Ouais, bonne idée. Vous êtes là. Excellent travail. Hé, Eve, je vais m'occuper de l'hypercellule. Orcal. Je vois que tu as quelque chose à me demander. Tu as sans doute trouvé la bibliothèque de Levoir. Nous voulons connaître la vérité. Oui. C'est une très longue histoire. Nous sommes assurément des humains, mais ce n'était pas le cas il y a peu de temps. Il est vrai que ceux qui nous ont précédés étaient responsables de la création de la matriarche. Ceux que l'on appelle aujourd'hui les derniers survivants humains. Ils nous ont créés, nous, les Androeidos, par le biais de la matriarche. Et pendant longtemps, nous avons vécu en symbiose avec eux. Nous...
Nous sommes des androïdes. Nous avons été créés. Mais pourquoi... Pourquoi la matriarche? La raison est inconnue. Mais la matriarche a fini par prendre une décision. La survie de l'humanité dépendait d'une réorganisation des espèces. De ce conflit est née la guerre et la terrible menace de l'extinction des humains. C'est impossible. Ceux qui ont échappé à la destruction se sont dispersés aux quatre vents, mais certains ont réussi à fuir et ont trouvé refuge dans les ruines de Levoir. À l'origine, ce complexe avait pour but de faire évoluer génétiquement l'humanité. Après tout, l'espérance de vie des derniers humains était extrêmement courte. Cet endroit est le lieu de naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui les Naitiba. Les enregistrements des héritages disent la vérité. Depuis le début, nous sommes en guerre contre nos ancêtres. Mon lien personnel couvre désormais une zone assez vaste. Le prochain Naitiba Alpha ne se trouve pas sur Terre. Alors, que comptez-vous donc faire? Mais... tout ça ne change rien au fait que les Naitiba sont nos ennemis. Très bien. Nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous devons atteindre le nid grâce au noyomètre. Je veux les coordonnées du Naitiba Alpha. Comme vous voudrez. À votre retour, je vous raconterai la suite de l'histoire. Ou peut-être vaudrait-il mieux que vous l'appreniez de la bouche du natif ancestral.